les généraux sont avec lui. Ils viennent de bien loin, ils repartiront aujourd'hui encore. De grandes choses se décident. Pourquoi nous a-t-il convoqués? Fit l'honneur d'une audience. Je ne vais pas, il envoyait.
paya une voiture pour me chercher. Il se donna la peine de venir me trouver lui-même. Je me suis refusé trois fois à la rencontre, mais tout de même, il m'a fait cadeau de ce portrait. Le président aussi recevra son portrait. Le voilà. On se bat pour se réconcilier. Et en dessous, Maximilien, c'est joliment bien dit. Eh bien, présentez-le vous-même. Mais d'abord, il est temps que vous vous mettiez en route à ne lire qu'à destination. Nous partons vers le nord. Partons vive le Mexique. Montre la situation dans le camp opposé. Au cours d'une soirée au palais impérial de Mexico, Lopez, revenu de sa mission, prend d'abord une part active à la réception en chantant une mélodie de salon. Charmé par la voix de son partisan, Maximilien l'attache à son service personnel et Lopez aussitôt, de lui-même,
met l'empereur en garde contre l'inconstance des Mexicains, mais Maximilien se montre incrédule autant qu'ingénu devant cet avertissement. Puis, demeuré seul, il se laisse aller à une sorte de mélancolie nonchalante lorsque son ami d'enfance, le conseiller Herbfeld, vient annoncer la retraite des troupes républicaines. Maximilien rêve de pouvoir enfin faire le bonheur du peuple mexicain. Une courte scène montre l'assiduité du colonel Lopez auprès de la princesse Salm-Salm, mais la belle américaine n'a d'yeux que pour l'empereur à qui elle avouait une passion ardente. Ensuite, accompagné du général indien Mejia, apparaissent le cardinal Labastida et le maréchal Bazaine, l'un et l'autre déplorant la mansuétude des mesures prises à l'égard de la population. L'aspect sentimental de Maximilien, enfin, est révélé dans son entretien avec l'impératrice Charlotte. Unis dans un sincère enthousiasme fondé sur les derniers succès de l'armée, tous deux montrent leurs nobles intentions. Maximilien exalte la prochaine émancipation des Indiens lorsque des coups de canon ponctués par la voix lointaine et menaçante du général Diaz viennent assombrir le tableau et semer la crainte dans l'entourage du prince. Le cardinal, saisissant l'occasion, tente vainement de connaître les projets du maréchal Bazaine. Lopez, avant que le rideau tombe, fredonne une fois encore sa chanson. Regarder sans rien voir, se nourrir de ses larmes, sans reprocher les charmes, s'écrier à 20 ans que j'ai souffert longtemps. Perdre jusqu'à l'envie de poursuivre la vie, on me l'a dit un jour, c'est le vrai. Ces songes secrets, revoir les mêmes traits, craindre la ressemblance.
souffrance qu'on appelle en silence, en frémissant d'aimer, apprendre à l'exprimer. Pleurer grâce il nous songe, soit toujours un mensonge, on me l'a dit un jour, c'est le vrai. S'arracher aux accents que l'on écoute absent, mais en fuyant l'orage, détester son courage, trembler de se guérir, le promettre et mourir. Voilà ce qu'on ignore quand on espère encore, on me l'a dit un jour, c'est le thank you.
Mais alors, Hersfeld, c'est la victoire. Allons, souris, pourquoi cette terre toujours éclair, cette fuite ne me plaît pas. La scène sait-il bien que Juarez, qui s'est enfui, n'est pas encore désarmé. Juarez s'est enfui, son étoile s'éteint. Pour lui, une grande pitié. Prenez garde, votre nez. Assez de pensée. Indifférent à ses ouvrages, il ne m'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne cède pas, me pousse de son droit. Son droit, ami, je ne connais que le mien et ma mission. Justice à tous les Mexicains, le même rêve. Sire, prenez garde, assez pour vous porter la nouvelle de cette victoire à l'impératrice.
traité d'aujourd'hui. Encore les lois pour les Indiens. Puisse Dieu éclairer à cet homme notre souverain qui a sanctionné la spoliation de l'Église, l'argent à reste et réduit notre clergé à la mendicité. Sa Majesté Maximilien et mon bien-aimé maître et empereur, j'étais indien, Sa Majesté a fait de moi un homme. Juarez est indien et ne parle pas comme vous. Notre empereur, vite, le domptera de quelqu'un, lui, avec son angélique. Pauvre femme stérile, je ne saurais du moins quelque chose.
La guerre d'embuscade menée maintenant par Juarez inflige des refaire à Maximilien. On pousse l'empereur à y mettre fin en promulguant un décret punissant de mort tout citoyen pris les armes à la main. Bazaine, arguant des ordres qu'il a reçus, exige même la signature que Maximilien se refuse énergiquement à donner. Une pierre enveloppée dans un message arrive par la fenêtre. C'est le portrait de Maximilien que lui renvoie Juarez. Les chants belliqueux, les cris hostiles de la foule au dehors, incitent finalement l'empereur à signer le décret qu'il réprouve. Cette guerre de guérilla qui nous épuise, que va-t-elle nous coûter? Que les mesures sont déjà prises, mais que faire sans votre appui? Sire, n'oubliez pas que les soldats sont fatigués. Sire, n'oubliez pas que le peuple s'inquiète et veut la paix. Pourquoi l'empêche-t-on de mettre sur pied une armée nationale? Votre cœur est trop noble, sire, pour ne pas comprendre que les Indiens sont l'allié de la population. Et moi, j'ai reçu l'ordre de les
armée d'un pays. Sire, il n'y a que la manière forte, la manière forte. Allons, sire, il faut signer. Encore ce décret. Justement ce décret. Et tout le peuple le demande. Toute personne prise en ennemi de l'ordre et les armes à la main sera condamnée à mort. À mort. Je ne suis pas un assassin. Dois-je tuer des hommes parce qu'ils défendent une idée? Il n'y a que la manière forte et des ordres stricts, majesté, il faut signer. Le décret est un acte d'humanité, il abrégera les massacres. C'est un acte de défense légitime, j'URS ne ferait pas autrement. Non, je veux garder les mains propres, je ne signe pas. Sire, c'est un ultimatum, réfléchissez. Sire, que la grâce de Dieu vous donne la force nécessaire. Hersfeld, Hersfeld, que dois-je faire? Il n'y a que la manière forte, s'y tenir. Ou bien, alors, comment? Toi aussi. Les francs-tireurs mexicains. Les propos échangés entre Lopez et Bazaine semblent devoir justifier aux dépens de Maximilien une évacuation des troupes françaises. C'est là, en tout cas, ce qu'en déduisent la princesse Salm-Salm et Hertzfeld, plus décidés que jamais à rester fidèles à leur souverain.
Cette situation se résume en un bref quatuor, suivi d'une scène où Maximilien ne dissimule pas à l'impératrice le découragement que lui cause la tournure des événements, ce qui amène chez l'ambitieuse Carlotta une ardente réaction tendant à sauver son époux et la couronne au prix de n'importe quel sacrifice. Elle décide finalement de se rendre en Europe afin d'y solliciter des appuis tant auprès de Napoléon III que du Saint-Siège. Thank you.
fusiller. Je suis venu dans ce pays comme un messager de bonheur et de vie. Et c'est moi maintenant qui donne le signal des massacres. Max, ces robots sont affreux. Non, c'est atroce. Je me suis trahi moi-même. Dieu ne veut pas de moi. Il m'a faut renoncer. Dans un village mexicain, les troupes républicaines mêlées au peuple glorifient Diaz et sa rapide ascension due à la victoire qu'il a remportée sur les impériaux. Cette scène sert de préambule à l'entrée du cardinal La Bastida, qui se présente en voiture accompagné de plusieurs autres prêtres. Salué par le Panje Lingua, le prélat s'exprime en consolateur du peuple mexicain. Diaz ne se méprend pas sur le but inavoué de cette démarche. Le cardinal songe à se dégager du parti de Maximilien, peut-être même à le livrer. Aussi, Diaz fait-il reconduire le visiteur avec d'ostensibles marques de respect. Il y en a 20 000, en portant de toi, monsieur, de toi.
Comme un instrument de la providence,
cardinal du Mexique. Eh bien, monsieur le cardinal du Mexique, voici ma réponse. Vous nous offrez la personne et la cause de Maximilien. Nous dédaignons votre offre. Nous ne saluerons jamais notre triomphe. Je ne me bats pas contre Maximilien. Je fais la guerre aux coquins qui se cachent derrière son trône. Pas de pardon pour eux. Magnifiquement déclamé, citoyen général, il ne vous reste plus qu'à m'arrêter. Au contraire, monseigneur, Palacio, 20 hommes d'escorte pour la bateau du cardinal, qui le conduira sain et sauf hors de nos lignes. Le plus important de cet acte, Maximilien est seul, d'abord, dans son cabinet de travail. Les nouvelles d'Europe empirent chaque jour. À la suite de l'échec qu'elle a éprouvé, l'impératrice Carlotta a perdu la raison et aucune lueur d'espérance n'apparaît de ce côté. Hertzfeld vient suggérer à l'empereur d'abdiquer et de quitter le Mexique. Maximilien repousse l'acte qu'on lui présente et s'obstine à lutter loyalement contre Juarez, pour qui il ne dissimule pas son estime. Il est d'ailleurs encouragé dans cette voie par une députation de la junte. Lorsqu'il se retrouve seul, une marche militaire retentit au dehors. Les troupes françaises quittent le Mexique. Comprenant que Napoléon III l'abandonne, Maximilien songe un instant à gagner le vaisseau qui l'attend à la Veracruz, mais à la nuit, un valet entre. C'est Diaz déguisé. Il confirme la défection de Bazaine et, faisant état du funeste décret auquel l'empereur a consenti, il lui offre le pardon de Juarez en échange de son abdication. La réaction est violente. Maximilien appelle ses officiers, il ordonne de concentrer la lutte sur la ville de Querétaro et déchire l'acte d'abdication. Carlotta, ma
en supplie, c'est l'heure de penser à votre salut. Au salut du Mexique, que tu tires, sire, votre salut. Le patron a levé la course et toujours chauffé à toute vapeur. Non, je ne serai pas un français qui s'évade. Bientôt, il sera trop tard pour s'évader. Déjà, je lui reste tout seul. Sire, voici l'acte d'application. Personne est-il possible que tu ne m'aies jamais compris? Conseil d'État. J'annonce à votre majesté que la junte s'est prononcée contre l'abdication. Tu vois, Perspel, j'avais raison. Acclame. Vive Maximilien Ier. Messieurs, je vous remercie de votre loyauté. Vive Maximilien Ier. Majesté. De moi, je rends.
aujourd'hui je prends la politesse. Moi, Porphyrie odieuse, je suis ici par ordre de Juarez. Votre situation est désespérée. Cazène m'offre la ville et votre personne. Vous n'êtes jamais venu ici que comme un étranger. Prince d'Azur, et vous avez promulgué le décret de sang. Nous avons donné notre colère et plus encore pour régénérer le Mexique. Mais le citoyen président ne fait pas. Est-ce que fait place à moi? Oui, lui, l'Indien pur sang, il vous fait grâce. À vous, Maximilien le Habsbourg, descendant de Charles Quint, le front de la race indienne. Mesurez la grandeur de cette grâce. Prudent, on écarte. Je suis ici sous votre protection. Écoutez mon message. Vous écrirez à Don Benito Juarez pour lui exprimer vos remords, lui remettre votre abdication et vous le prierez de vous donner un sauf-conduit. Vous ne répondez pas. Je le regrette bien, Maximilien d'Autriche. Officiers de service, généraux, avisant aussi en achat. Sur le salut de mon âme, répondez, pouvons-nous encore vaincre Juarez? Sur le salut de mon âme, j'en suis sûr, abat Juarez! Concentration des troupes à Querétaro. Querétaro, parfait. Querétaro, Querétaro, Querétaro. L'acte d'abdication. Alors à vous, Maximilien d'Autriche. Alors à vous, Habsbourg. Depuis 3 mois, Maximilien est assiégé dans Querétaro. Le voici dans son quartier général, au cloître de la Cruz, refusant d'employer les voies d'évasion que lui offre la princesse Salme après une excursion hors du couloir. Ignorant la duplicité de Lopez, que la princesse commence à soupçonner, Maximilien règle avec son attaché militaire et le général indien Mejia une sortie en force pour le lendemain. Cependant, au petit jour, Lopez introduit dans le cloître Porfirio Diaz et Mariano Escobedo. Les deux officiers, après avoir reproché à Lopez sa traîtrise, exigent une rencontre avec Maximilien. Or, c'est Lopez lui-même qui crie à la trahison. L'empereur paraît. Il a une épée nue à la main. Diaz est prêt à lui laisser le passage libre, mais le malheureux souverain tient à acquitter la dette que lui impose son décret et il exige sa propre arrestation. Escobedo reçoit l'épée. La princesse Salme défaille, anéantie d'admiration devant son héros. Ainsi débute le troisième acte. Lorsque le rideau se lève, on entend des chants de soldats à l'extérieur du couloir.
Jusque dans le plus petit détail, à 6 heures du matin, nous opérerons la sortie. En 2 heures, la position sera prise et nous passerons. Mal à la voix, il est trop tard. Lopez, vous savez que la sortie est pour demain et que l'ennemi a juré de faire l'empereur prisonnier. Sire, cette journée m'épouvante. J'aimerais presque mieux être tué tout de suite. Je ne vous reconnais plus, Lopez. Ah, sire, pardon. C'est toi, moi, dans la cage affreuse de Querétaro. La faim, l'ennui et toutes les misères. Thank you.
citoyens de la République, laissez passer. Général, je suis l'empereur d'Amérique. Je ne connais pas ton faveur. Général Diaz, je vous rappelle le décret de sang. Toute personne prise en ennemi de l'ordre, les armes à la main. Vous connaissez le texte, exécutez la consigne. Dans une cellule de la prison de Querétaro, ce sont maintenant les instants qui précèdent l'exécution. Maximilien, seul, considère d'une âme sereine la grandeur de la mission qu'il n'a pu accomplir. La princesse Salm et le fidèle Herzfeld viennent de lui faire part des efforts tentés pour le sauver, ceux de Diaz en particulier, auprès de Juarez. La lecture ensuite de la dernière lettre de l'impératrice que l'on tient pour morte en Europe semble procurer à l'infortuné souverain un instant de béatitude angélique. L'aube paraît enfin, un roulement de tambour au dehors, des soldats paraissent avec un aumônier. La princesse Herzfeld tombe agenouillée devant l'empereur Maximilien qui, d'un pas ferme, se dirige vers la porte. Je ne vais venir à Querétaro pour
s'attache. Mon bon respect pour cette bague, et vous, princesse, je vous remercie de votre grand amour. Je n'étais pas fait pour la vie, mais pour la mort. Et Charlotte, l'impératrice est délivrée de cette enfume. Mais elle reste si vivante en moi, comme un portrait de moi-même plus beau, plus pur, plus idéal. Cette dernière lettre, je n'ai pas eu le courage de la lire. Je ne peux pas, princesse, lisez-la. Le dernier tableau représente les funérailles de Maximilien. Devant la cathédrale de Querétaro, mêlés à la foule, se trouvent le chancelier Herzfeld et la princesse Salm, celle-ci cachant un revolver dans sa ceinture. Juarez paraît au milieu des acclamations et s'avance vers l'église.
Du haut des marches, sans être vue, la princesse dirige son revolver sur Juarez. Incapable de tirer, elle tombe en larmes dans les bras de son ami. Tout est fini pour eux. Le peuple entonne l'hymne mexicain. Dernier moment, ne lui ai-je